Je suis Nicolas Berthelot. Je suis responsable de la fabrique des géocommuns. La fabrique des géocommuns, communs, c'est un incubateur de projets au sein de l'IGN, pour but d'accompagner l'ensemble des projets qui créent un service qui s'appuie sur un géo commun. Un géocommun, c'est d'abord un commun numérique. Donc, par commun numérique, on désigne une ressource. Alors c'est le mot clé qu'on utilise. Le ressource. La ressource, ça peut être un logiciel, ça peut souvent être une base de données, ça peut aussi être un standard ou une manière de de formaliser les données qui est entretenue par une communauté ça c'est le deuxième élément des communs numériques c'est le fait de s'appuyer sur une communauté et la spécificité des communautés dans les communs c'est le fait de mêler des gens qui sont différents qui sont des structures potentiellement des entreprises des administrations euh, des associations ou même des particuliers qui collaborent à l'émergence et au développement de cette ressource. Et le dernier élément, qui est toujours important dans les communs, c'est de réfléchir à la gouvernance, c'est-à-dire les règles qui encadrent l'utilisation et l'alimentation du commun. Donc c'est l'ensemble des règles qui vont s'assurer. Qu'il n'y a pas un acteur qui peut s'approprier seul le commun, qui peut aussi garantir le fait que la ressource va continuer à être ouverte. Parce que c'est toujours aussi un des traits qu'on souhaite associer au commun, c'est le fait qu'il soit le plus ouvert possible. Un géocommun, c'est un commun numérique spécifique qui a simplement de l'information géolocalisée dedans, grossièrement. Et donc, dans des géocommuns utiles, il y en a plein. Il y en a des très réputés. Celui, par exemple, OpenStreetMap, qui est la base de données collaborative qui est. Vrai, véritablement un concurrent à la cartographie de Google Maps au niveau mondial, euh, qui est entretenu euh, typiquement par des sociétés comme Microsoft, euh, Facebook, ou, mais aussi par des associations, par des collectivités territoriales, qui entretiennent cette base de données qui peut être utilisée dans plein de d'usages différents de la vie que ce soit pour s'orienter en vélo avec des applications qui utilisent ces données comme géovélo ça peut être utilisé pour savoir où est ce qu'il y a un musée dans la ville ou les horaires d'ouverture d'un restaurant c'est toute, toute cette, cette base de données collaborative a énormément de cas d'usage mais d'autres communs qu'on entretient à l'hygiène par exemple on peut parler de Panoramax, Panoramax, c'est un commun assez rigolo, facile, relativement facile à comprendre. C'est faut imaginer Street View qui serait développé de la même manière que Wikipédia, Wikipédia qui est vraiment un commun numérique emblématique. Street, donc un Street View libre où n'importe qui peut partager des photos de terrain. Et ça, on se dit bah, au début, on se ah, c'est cool. Et en fait, c'est effectivement très utile dans les territoires. Ça peut permettre de mettre à jour des bases de données de terrain qui permettent d'améliorer la qualité des informations dont on, dispose sur, dont on dispose sur les routes, sur les bâtiments, sur les adresses d'un territoire. Mais c'est aussi une possibilité, par exemple, pour quelqu'un de savoir s'il y a eu des différences d'une année sur l'autre en termes de, de travaux qui auraient pu avoir lieu sur la chaussée. Donc, C'est vraiment... Énormément de cas d'usage qui, euh, qui peuvent être déployés autour de ces photos de terrain qui peuvent être partagées par n'importe qui, collectivité, entreprise, particulier, qui peut descendre dans la rue euh, armé de son smartphone ou d'une GoPro ou d'un capteur euh, LIDAR euh, extrêmement perfectionné et à terme les partager au même endroit pour que n'importe qui puisse les réutiliser. Aujourd'hui, toutes les données de l'hygiène sont ouvertes, ce qui est déjà un des éléments essentiels des communs, c'est le fait d'être réutilisable librement. Ça, c'est le premier pas. Le second pas, c'est d'être capable de mettre, de, 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 de ne plus être au centre de la table. Euh, c'est d'arriver à, par exemple, la base de données emblématique de l'hygiène, c'est la BD Topo. La BD Topo, c'est une base de données qui décrit l'ensemble du territoire, euh, les bâtiments, les routes, les cours d'eau. C'est extrêmement, c'est ce qui permet de générer le plan papier qu'on connaît tous. Cette base de données, elle est, elle elle est de très haut niveau de qualité et pourtant elle pourrait être encore meilleure si on arrivait à tirer parti des informations dont disposent des collectivités comme Strasbourg, des régions, des associations, voire des entreprises qui disposent d'informations sur le territoire, parfois plus fraîches que nous. Et ce qu'on doit arriver à créer, c'est une manière de, de leur permettre de contribuer à notre référentiel parce qu'elles en sont usagères, hein, c'est vraiment aussi au centre des communs, c'est le fait que les gens utilisent notre ressource. C'est vraiment essentiel. Il se trouve que la BD Topo est utilisée, donc on peut, on peut atteindre ça. Euh, et cette BD Topo, on doit permettre aux gens de contribuer euh, et d'avoir accès le plus rapidement possible à leur contribution. Ça suppose aussi de... Ce qui fait que les gens utilisent la BD Topo plus que certains autres référentiels, c'est aussi son processus de qualité. Et donc, aussi, ça fait partie de la promesse de ce commun d'être d'un niveau de qualité élevé. Et donc, on doit aussi être capable de... Contrairement à d'autres communs, de contrôler par exemple les, les, les contributions qui sont faites. On a des processus de qualité au sein de l'hygiène. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre contribution directe avec un retour rapide dans les bases de données utilisées et, euh, et en même temps contrôle qualité. Je pense que c'est ça la. L'offre hygiène en termes de commun. La géoplateforme, c'est un, un immense projet de, de l'hygiène qui a pour but d'être la nouvelle version du géoportail. Et pour moi, en fait, elle traduit le changement de posture de l'hygiène. Le géoportail, on voit qu'on était dans une logique, d'une certaine manière, descendante euh, de diffusion d'informations. C'est un outil hyper utilisé et il faut le reconnaître que c'est vraiment un outil performant pour visualiser des cartes rapidement, accéder à beaucoup de données. La géoplateforme, le but, c'est justement de traduire le changement de stratégie de l'hygiène. C'est de faire un géoportail ensemble, en se disant euh, les référentiels de données qu'on diffuse, euh, on est capable de directement les éditer au sein du géoportail. On est donc, en l'occurrence, le nouveau géoportail, carte.gouv.fr. Et sur carte.gouv.fr, c'est aussi la possibilité euh, pour des communautés de s'organiser. Par exemple, j'entretiens une base de, de, des aires de covoiturage. Euh, je veux les entretenir collaborativement je les diffuse sur carte.gouv et je permets à différentes personnes soit non authentifiées ou parfois avec euh, des certains niveaux d'authentification de, de, ça revient à ces questions aussi de qualité et de savoir d'où provient la donnée euh, la géoplateforme va permettre euh, à des communautés de s'organiser et de produire ensemble des données ça peut être un citoyen qui utilise Blablacar et qui se dit euh, c'est pas possible, il euh, n'y a pas mon air qui est référencé, pourtant j'ai envie de pouvoir prendre des gens à cet endroit-là, du coup je contribue. Ça peut se faire de manière indirecte, C'est pour moi c'est aussi la beauté du numérique, c'est le fait que Blablacar, et c'est le cas d'ailleurs sur les aires de covoiturage, participe à la création de ces, ces bases de données, et par exemple créer dans son application, un moyen de signaler une aire qui ensuite va être remontée par API dans la, dans la cartographie de la géoplateforme et ensuite euh, que ça soit rediffusé à d'autres acteurs euh, du covoiturage. Donc, ça, c'est vraiment des cercles vertueux qu'on va essayer d'en capaciter. Et c'est pour ça que je pense que la fabrique des communs va être un des outils qu'on va mobiliser dans le cadre du déploiement de, de cartes.gouv pour développer ces communautés d'usage autour de, autour de la géoplateforme.